Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au cœur du Pal des Écrins, dans la vallée de Fraissinière. Je vais rejoindre un refuge, le refuge de l'école, qui se situe dans un petit hameau, le hameau de Dormillouz. Cette fois-ci en train et en vélo électrique. Donc jusqu'à l'Argentière en train, ensuite j'enfourche mon vélo et je crois que j'ai 18 km pour rejoindre un parking où là je vais devoir laisser mon vélo parce que c'est un tout petit sentier, assez glissant apparemment, et donc je finirai les 300 derniers dénivelés en marchant. Je suis jamais allée à Dormillouz, je suis jamais allée dans ce petit hameau et je sens qu'il est plein de promesses et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. En fait, ça va monter tout le long. J'essaye de ne pas mettre trop de puissance pour pouvoir garder la batterie le plus longtemps possible. Ça a l'air d'être un super village. Il y a vraiment des chalets charmants. On est dans la neige, même sur la route, je m'attendais pas à ça. Donc il faut être très vigilant. Je fais un petit arrêt au pont parce que vraiment, il est super joli. Donc là, j'ai rejoint un petit chemin beaucoup plus étroit. Donc c'est le chemin pour aller à Dormillouz en hiver. Donc pas de voiture. Bon, c'est ici que je vais mettre le vélo jusqu'à demain. Je vais prendre la batterie. Alors comment ça marche? Oh punaise. Et ben, je l'ai jamais enlevé la batterie. Je sais pas comment ça marche. Et ben finalement j'ai laissé le vélo avec la batterie et. Bon bah on verra bien, hein. J'espère qu'il en restera quand même un petit peu demain pour entrer à l'Argentière. Bon bah je pense qu'on est arrivé là. Donc l'ancienne école du petit village. J'ai hâte de connaître l'histoire de cette vallée, enfin de ce hameau, de cette école. En tout cas, je suis complètement charmée par l'endroit. Bon, on va essayer de rentrer à l'intérieur. On va aller voir. Donc le gardien, Paul. Bonjour. Bonjour. Oh, bonsoir Paul. Bonsoir. C'est déjà l'heure de manger? Eh bien, bientôt. Bientôt, donc on prépare tout. Un petit peu en avance. Voilà. Bon, je suis très contente d'être là, d'avoir finalement rejoint le refuge. Et j'espère que tu vas me montrer un petit peu le bâtiment, comment ça se passe, allez, où est-ce que je vais dormir. Ça. On va visiter ça. Je pose juste les couverts là. Allez, on va aller visiter la maison. Donc le hall d'entrée. Ouais. Où on se déchausse. Du coup, les sanitaires à droite. Avec la douche à droite et les lavabos WC à gauche. C'est où la lumière? Sur votre gauche. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc on peut prendre des douches? Tout à fait. Tout à fait. Okay. Douche chaude. Alors là, c'est un dortoir de 8. Voilà, tout ça, ça a été réaménagé et c'était une salle de classe d'un seul tenant. D'accord. Voilà, avec une classe unique. Je vais voir le deuxième vestiaire.
Ok. La deuxième salle à manger, c'était une étable. Ouais. Ok. Et en fait, au départ, c'était un prieuré. Et ça a été donné à la communauté protestante après la Révolution. Donc, voilà. Et en fait, et la chapelle qui est à côté, et le prieuré ont été construits dans l'optique de faire revenir les Vaudois à la religion catholique. Et donc, le curé a passé 30 ans de sa vie ici à jamais faire une messe parce qu'il n'y avait personne qui voulait y aller. Et puis il est reparti, et après il y a eu la révolution, et ça a été donné à la communauté protestante. Et du coup, maintenant c'est. Alors, ça c'est communal, donc c'est un refuge, et à côté c'est un temple voilà, où il y a un culte une fois par an, au mois d'août, le dernier dimanche d'août. Hop. Je vous avais un peu de tranquille. Une rando vers là-haut, vers le col de Fraissinière. On n'a pas été jusqu'au col, on a fait 2 heures de marche. On n'est pas très habitué. C'était un peu notre première randonnée en raquette. Dans les Hautes-Alpes, c'était un département très très pauvre jusqu'à l'arrivée du tourisme. Et il n'y avait pas de bois, donc il faisait du feu une fois par an. Le peu de bois qui poussait, il le récupérait vite pour se chauffer, mais du coup, il faisait en fait une fournée de pain par an, en gros, dans toutes les vallées alpines. Et c'était la chaleur animale, l'isolation par le foin qui servait de nourriture aux animaux. Et, voilà, et puis ils étaient robustes. Et là, il y a un renouveau au village, il y a pas mal de gens qui retapent. Qui retape des maisons et dont certains pensent y vivre à l'année. Ce refuge, il est vraiment, enfin, ce bâtiment est vraiment chargé d'histoire. Et donc, du coup, je trouve que faire vivre un lieu comme ça, c'est une chose extraordinaire. C'est une petite structure. On a du temps pour accueillir des gens et donc d'avoir de l'échange. D'apprendre des choses par la rencontre et donner de sa personne pour donner les petites informations qui peuvent être nécessaires aux gens à leur pratique, quoi. On a parlé un long moment et... le plus chiant, c'est quand c'est trop intense. La répétition devient difficile. Hop. Wali Valou. Allez. On va appeler nos hôtes à table. Section Genépi. Ben ma foi, il a du retour. Ben ma foi, je dis, il n'y a pas que de la pomme. Et allemand, moi j'ai bien aimé. Hein. Eh ben, dans les biocops, là. Donc dégustation du Genépi. Alors, quelles sont les impressions là ? Ça va, c'est bon, c'est un peu fort, mais c'est bon. Mais ça me fait un truc hyper chelou dans la bouche. Ouais, mais c'est bon. J'ai l'impression que j'ai de l'air dans la bouche qui sort. Ouais. Oui, c'est bizarre. Paul m'a prêté des raquettes. Donc je vais pouvoir aller faire une petite balade ce matin en raquette, rapprochée d'une cascade apparemment. Donc je vais aller vers le col de Fraissinière. Bon, ben, ça va en forme ? Ça va, ça va. En pleine forme. Ouais. Bon, Paul, oui, où es-tu ? Je suis là. Ben, encore merci pour ton accueil. Tous les génépis d'hier soir. Ça va, pas trop mal aux cheveux. Non, ça va. Et merci pour les raquettes. Donc, je vais en profiter pour aller visiter la cascade Baridon. Et la cascade Baridon. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi ici Aller au col des Fraissinières, on peut aller au lac Paluel et Faravel.
Et on peut faire du ski de rando et de la raquette, et voilà. Et les balades principales pendant l'hiver. À bientôt. Eh ben j'espère, ouais. Avec plaisir, ouais. Ciao. Au revoir. Donc il y a quand même pas mal de maisons qui ne sont pas habitées. Je pense que la chambre dans laquelle j'ai dormi, c'est la première fenêtre à gauche, à l'étage. Bon bah ça y est, je vais quitter le hameau de Dormiouz pour aller rejoindre le vélo qui se trouve au parking. Enfin, j'espère. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est possible de prendre un vélo? C'est payant, 6,50 C'est vrai, parce que sur le train c'est gratuit. Le train c'est gratuit. Ben, j'ai pas le choix, hein. Faut que je parte d'ici. C'est comme vous. Si vous faites voler le vélo par exemple, ben, vous êtes assuré par le car, quoi, on va dire. J'ai adoré le hameau de Dormiouz et son gîte d'étape. Il y a tellement de choses à raconter sur ce village que j'aimerais vraiment y revenir afin de retracer son histoire en images. J'ai vraiment pris plaisir aussi à rejoindre le refuge en vélo et à pied parce qu'en fait, ça donnait comme un effet de surprise quand on arrivait au hameau et que quelque part, c'est un village qui se mérite. Eh bien, il est temps de vous dire à la prochaine fois dans un autre refuge, dans un autre petit coin des Hautes-Alpes.